Bonsoir tout le monde, les gars. Vidéo fatiguée, je suis fatigué, il fait très très chaud dehors. Je crois que c'est l'une des journées la plus chaude. Enfin bref, même si à 3 ou 4 degrés, personnellement à Bordeaux, ça ne me change pas grand chose et il fait toujours aussi chaud. Je n'ai pas pu faire de vidéo hier dimanche, j'étais en famille, j'étais occupé. J'ai une coupe de fou, j'ai la barbe qui me tient chaud. Enfin bref, je crois que je vais tout faire un combo et je vais prendre la tondeuse et vous. Voilà, on va commencer rapidement. En plus, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations pendant ces 4 jours. Je pense que la vidéo va durer assez longtemps. Première info, on a fêté les 27 ans de Serge Gnabry. C'est cool. Arturo Vidal s'engage à Flamengo. Il me semble que c'est là où tout a commencé pour Vidal. Donc bon, c'est plutôt cool. Je pense que le championnat brésilien, c'est un championnat qui lui correspond. Donc c'est cool. Fin de carrière pour lui bientôt. Voilà. Ok. Tottenham a dévoilé son maillot extérieur. Enfin, les gars, le feuilleton Ousmane Dembélé va s'arrêter. Car il prolonge à Barcelone jusqu'en 2024. On ne parlera pas de la vidéo présentation, mais en tout cas. Voilà, fallait en parler. Dembélé, je pense qu'on pense tous la même chose. C'est une fraude, mais une fraude talentueuse. Donc j'espère qu'il ne se blessera pas et qu'il fera une grosse saison. Thomas Strascocha quitte la Lazio. Je vous rappelle qu'il est gardien. Il quitte la Lazio, il s'engage avec Brentford. Pourquoi pas? Deuxième recrue dans cette vidéo, on va dire, pour Brentford, Yeor Yarmolyuk. Personnellement, je ne le connais pas, mais en tout cas, il s'engage avec Brentford. On a eu les Bleuets féminines, donc l'équipe de France féminine, qui a battu la Belgique et qui file en quart de finale. Il me semble d'ailleurs qu'ils affrontent les Pays-Bas, mais sans l'attaquante là. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est très très forte et elle ne sera pas là malheureusement. On a eu Manchester United qui s'est imposé 4-1 face à Melbourne en amical. Bon, ça reste des matchs amicaux, hein, on va pas se mentir. Toujours dans le thème de Manchester United, Christian Eriksen, pardon, qui s'engage avec Manchester United. Franchement, Christian Eriksen, un exemple à montrer à tous les jeunes, c'est incroyable. Il a failli perdre la vie à quoi il y a. Allez, tu sais plus, le temps il passe tellement vite. 2-3 ans, il me semble. Il a rebondi, il pouvait presque plus jouer au foot. Il a rebondi. Il a signé à Brentford et aujourd'hui, il signe à Manchester gratuit. Franchement, franchement, gros parcours. Après, il y a eu quoi? On a eu Liverpool qui s'est relancé en gagnant son deuxième match de préparation avec un but de Salah, je crois, et je sais plus qui. Riyad Mahrez prolonge jusqu'en 2025 avec Manchester City. Bon, tous les DZ vont être ultra heureux après Mahrez, voilà. Tu connais Mahrez très très fort, mais voilà, il a quand même déjà 31 ans. Je pense que 2 ans c'est l'idéal pour lui. Le PSG remporte son premier match amical face à Quevilly Rouen. Bon, il n'y avait rien, il n'y avait personne, bref. On va pas juger ça, ça sert à rien. Benoît Costil s'engage avec l'AJ Auxerre. La fraude bordelaise. Je sais pas si c'est une bonne chose pour l'AJA. Mais bon, Godet, c'est sûrement que il va me faire mentir, il va faire une grosse saison. Dimajog Bradaric, je sais pas si je le prononce bien, désolé, quitte Lille et s'engage avec Salernitana. Lille qui recrute beaucoup, mais qui se fait également beaucoup dépouiller, on va pas se mentir. Donc voilà. Officiel également, Chancel Mbemba, libre de tout contrat, s'engage avec l'Olympique de Marseille. J'espère pour les Marseillais qu'il a 27 ans et non 35 ans. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Toby Alderweireld s'engage avec Royal Antwerp. Il me semble que c'est en Belgique. Bon, Alderweireld qui est en fin de carrière, je crois qu'il a 35 ans, voire 36. Donc voilà. Très bonne recrue pour Monaco. C'est Monaco dans le recrutement, ils sont vraiment incroyables. Vraiment, il n'y a rien à dire.
Brel, je ne sais pas comment on dit, Mbolo s'engage avec l'AS Monaco en provenance du Borussia Mönchengladbach. Très bonne recrue, je vais leur recruter 12 millions, 13 millions. Voilà, si on sait tous que s'il fait une bonne saison, il va partir pour le quadruple, voire x5, x10. Federico Bernardeschi s'engage avec le Toronto FC, donc aux États-Unis. Je crois qu'il était libre lui aussi. Franchement, dommage, je l'ai vu jouer 2-3 fois avec la Juve, franchement, c'était quelque chose. Il était très fort, mais bon, voilà. On a eu Benfica qui a battu Nice sur le score de 3-0 en match amical également. Officiel également, Kalidou Koulibaly quitte Naples et s'engage avec Chelsea pour, il me semble, 40 millions. Très grosse recrue pour Chelsea. Chelsea qui vont faire un recrutement, c'est pas fini. Il va être incroyable. Il y a eu déjà Sterling, il y a eu déjà mais Kalidou Koulibaly. Je vous rappelle qu'ils ont perdu Rudiger, Christensen. Donc une partie de leur défense centrale. Je pense que Azpilicueta va également partir. Mais Chelsea, très, 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 très malin sur le recrutement. Manchester United qui dévoile son maillot extérieur. Je peux pas vous montrer à quoi il ressemble, mais voilà. Tottenham et Séville se séparent sur le score de 1 partout. En match amical, les buteurs Kane et Rakitic. Serge Gnabry encore prolonge jusqu'en 2026 avec le Bayern. Franchement, c'était pour le Bayern, c'était improbable qu'il prolonge pas. Il est trop fort ce joueur, je kiffe trop. Ok. L'OM qui s'est fait battre sèchement par Norwich 3-0. On va pas s'inquiéter pour Marseille, mais un peu quand même. Officiel, Hugo Ekitike quitte Reims et s'engage avec le PSG. Donc, assez bonne recrue pour le PSG. C'est un jeune, très jeune joueur. J'espère qu'ils vont le faire jouer et j'espère que voilà, ça va très bien se passer pour lui parce que. Voilà, c'est lui, il a choisi de rester en France. Très bon choix de sa part, puisqu'il aurait pu aller à Newcastle pour bien plus en plus, de gagner beaucoup plus. Mais voilà, maintenant, il faut que le PSG lui fasse confiance et qu'il ait sa chance, et pas qu'une fois. Le Milan AC qui a gagné 2-1 face à Cologne et Monsieur Olivier Giroud a mis un doublé. Gervinho quitte la Turquie, il s'engage avec Salonique en Grèce. Bon, je connais le joueur, mais le club un peu moins. L'AS Roma qui a battu Portimonense 2-0. Trippi et Zaniolo. L'Inter et Monaco se sont quittés sur le score nul de 2-2. En amical, toujours. Et hier, on a eu la signature de Lisandro Martinez qui s'engage avec Manchester United pour près de 55 millions d'euros, il me semble, en provenance de l'Ajax. Voilà les gars, c'était un tour, encore 10 minutes de vidéo, bon bref, c'est pas grave. Et voilà les gars, vous avez toutes les infos en 4 jours, il s'est passé beaucoup de choses, les matchs amicaux reprennent, le foot officiel va bientôt reprendre, ça c'est vraiment une bonne chose. Il reste encore un mois et demi de mercato. Donc voilà, ça c'est plutôt